Nous sommes ici à la citadelle de Besançon qui abrite trois musées, dont le Naturalium. FEDER nous a aidés au développement d'outils numériques. Nous avions l'envie de développer un espace qui soit à la fois ludique, interactif, facilement compréhensible par le grand public. Et l'outil numérique était pour nous un des meilleurs moyens de moderniser et de rendre plus accessible aussi le propos. Alors ici, nous sommes dans la salle du Naturalium qui décrit ce que c'est que la biodiversité. Et le visiteur rentre dans un spectacle multimédia immersif. Chut, je compte 1000, 2000, il y en a tellement, je m'y perds. D'après les dernières estimations des scientifiques, des milliards d'êtres vivants peuplent la planète. On a défini un parcours autour de 6 salles d'exposition. Si le projet avait été monté sans les fonds européens, je pense qu'on aurait été beaucoup moins ambitieux dans notre approche. On serait concentré sur notre cœur de métier, qui est la mise en exposition de collections. Et l'apport des fonds européens a vraiment permis d'aller au bout de notre démarche de réflexion sur l'intégration du numérique au service du discours scientifique. Donc c'est vraiment un effet levier pour nous. Ici, on présente comment était considérée la classification du vivant auparavant, donc avec certains précurseurs avec lesquels on peut dialoguer, Aristote, Linné ou encore Darwin. Aristote, dès l'Antiquité, suggère l'idée d'une classification des êtres vivants. Cette salle aborde comment le vivant évolue et quels sont les mécanismes en fait, qui provoquent la modification des espèces dans le temps. Pour comprendre l'origine des variations naturelles, on part du chat domestique pour aller jusqu'au plus gros félin. Au départ, on a constitué un conseil scientifique pour monter le projet. On a commencé à élaborer un pré-projet qu'on a soumis au service de la région. Et donc c'est un aller-retour assez simple finalement et très constructif qui s'est mis en place. Le montage en tant que tel du dossier a pris à peu près 6 mois. Ici, on va évoquer comment les espèces évoluent au sein de ce qu'on appelle un écosystème. Les tablettes numériques nous permettent également de découvrir certaines collections qu'on ne peut pas présenter en raison de leur fragilité. Alors ici, grâce à un cartel numérique, on peut découvrir au travers des vitres de cette cabane d'affût plusieurs espèces qui sont caractéristiques de la prairie franc-comtoise. L'Europe, pour nous, c'était une porte ouverte sur le monde, puisque la question de la biodiversité est forcément partagée à l'échelle mondiale.